Merci de nous rejoindre 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. Voici le sommaire de cette édition d'information. Le dernier discours du président de la République, son dernier discours pour son premier quinquennat devant le Congrès. Le taux de croissance est passé de 1,7% en 2020 à 6,2% en 2023. En 5 ans, plus de 5 millions d'élèves exclus du système scolaire ont retrouvé le chemin de l'école et des milliers d'écoles construites. Félix-Antoine Tshisekedi s'est exprimé durant 2 heures aujourd'hui. Négociations, gouvernement, patronat, syndicats des transporteurs des poids lourds, un compromis a été trouvé. Les grévistes exigent l'amélioration des conditions salariales, la sécurisation des convois par la police et la suppression des barrières. Les résolutions seront présentées au chef de l'État. La Cour constitutionnelle renvoie en 2024 les poursuites contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans l'affaire Bukangalonzo. Faute de temps matériel, la Cour priorise les contentieux électoraux qui ont déjà commencé. Vous allez entendre dans ce journal Dieudonné Kamuleta. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue, Madame, Messieurs. En 5 ans, plus de 30 000 km de routes ont été construites en République démocratique du Congo. Devant le Congrès, le chef de l'État a tenu aujourd'hui donc son dernier congrès, le dernier discours sur l'état de la nation pour son premier quinquennat. Le taux de croissance est passé de 1,7% en 2020 à 6,2% en 2023. En 5 ans, plus de 5 millions d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école et de nombreuses écoles ont été également construites. Patrick Michel Mukui va nous diffuser dans le cours de cette édition d'information un reportage élaboré. Mais pour l'instant, je vous propose de suivre les réactions. Félix-Antoine Tshisekedi laisse à la population de faire le choix entre repartir à zéro et consolider les acquis. Plusieurs élus se sont exprimés. On lance la série avec l'honorable Guy Mafuta, élu de Tshikapa. Moi, j'ai particulièrement aimé l'accent qu'il a mis sur la justice, les différentes réformes. Le chef de l'État est venu sur l'économie pour dire que l'économie, c'est le socle du développement. Et là, il a donné quelques actions. Il a mis en relief le potentiel congolais qui doit être transformé en richesse, effectivement. Le pays est entre les mains d'un président qui connaît les problèmes et qui propose des solutions concrètes. Il propose la refondation de la nation. Il a fait un bilan de ce qui a déjà été fait. Et il a suggéré aux Congolais de faire un choix entre repartir à zéro et consolider les acquis. Et moi, je crois que les Congolais, après cet appel citoyen, feront le choix de la consolidation des acquis qui sont déjà faits. Il a parlé du développement de tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose que nous devons vraiment nous mettre en tête, que nous devons lui donner une deuxième chance. Ce qui m'a le plus accroché, c'est l'aspect sécuritaire, parce que, comme vous le savez, je viens d'une province où les populations sont exsangues de massacres et de guerres, par les Nord Kivu. Et j'ai été soulagé du fait que le chef de l'État envisage d'autres voies et moyens de consolider la paix dans les deux provinces de Kivu et de Turi, notamment en envisageant de renforcer la diplomatie militaire, mais aussi la coopération militaire au plan bilatéral. Nos forces armées sont capables de faire tout le travail qui se fait à l'Est du Congo. Nous avons recouru à d'autres parce qu'on pensait que c'était aussi nécessaire, parce que nous sommes dans une communauté des États membres qui peuvent nous assister, mais nous constatons tout simplement, non seulement qu'il n'y a pas un accompagnement que nous souhaitons avoir, ce qui impacte négativement la paix à l'Est du pays. Vous savez qu'il y a de cela près de 50 ans que nous n'avons plus une armée dans le pays. Et le pays souffrait d'embargo sur les armes. Mais il fallait qu'un certain Félix-Antoine Tshisekedi surgisse pour qu'en son règne, l'embargo puisse être levé et créer finalement une armée qui a été montée en puissance. Il est important de savoir que lorsque le pays est agressé, c'est important d'avoir une leader et un vrai leader qui va faire régner la paix. Et vous remarquez aujourd'hui avec la montée en puissance de notre armée, les familles sont en train de faire des prouesses incommensurables. Quant à ce qui se passe même à l'est de la République démocratique du Congo, nous sentons vraiment
depuis des années et des années, qu'il y a vraiment un revirement. Et pour cela, nous bénissons le Seigneur et nous l'encourageons pour ce qu'il est en train de fournir des efforts afin qu'il y ait véritablement la paix. Et moi, je suis très honorée parce qu'enfin, on a compris que la culture est importante. C'est un levier de développement. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est investi pour le rayonnement de la culture. Et nous y travaillons et nous espérons que la paix va véritablement revenir dans notre pays. Et nous souhaitons que la culture aille de l'avant. Et nous espérons que ce pays va se relever. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Que ce soit un Congo uni. La situation de l'Est nous inquiète énormément. Là, nous faisons appel à tous les Congolais d'être conscients. Il faudrait que nous soyons tous en mesure de nous battre pour la paix. Et derrière le chef de l'État qui a manifestement prouvé combien il aime ce pays. Et nous devons tous souscrire dans le même sens. Il a parlé d'abord de la gratuité de l'enseignement. Il a montré les infrastructures qui ont été construites, l'amélioration salariale des enseignants, les écoles construites, les hôpitaux construits. Dans le domaine des transports, il a parlé des infrastructures routières qu'on a réhabilitées, pas seulement à Kinshasa, mais à travers toute la République. Un bilan chiffré, démontrable, il n'y a pas de débat. Tout à fait autre chose. Connexion des routes dans la capitale, fini les détours pour relier des quartiers à Lupen, à Binza, Pompage. Une route moderne vient d'être construite du côté de Verkis. Conséquence directe, le prix du transport a baissé. Le chef de l'État a été ovationné par la population dans ce coin de Kinshasa. Regardez. Nous restons à Kinshasa, précisément du côté de Ozone. Une route a été construite qui relie plusieurs quartiers de Lupen à ce quartier. Tout cela à Kinshasa. Regardons ce reportage. La fin des travaux était initialement prévue pour mai 2024. Voilà que la force des choses a poussé le maître d'ouvrage à accélérer pour permettre au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession et initiateur du projet, à inaugurer son œuvre avant le début de son périple électoral. L'occasion faisant les larrons, la compression du temps proposé pour l'exécution des travaux a tout son pesant d'or. Depuis deux semaines, on nous apprendra par une voix officieuse que le président de la République sera au niveau de Kinshasa pour une manifestation. Donc nous sommes dit, étant donné qu'il va aller en campagne, il sera probablement difficile à ce qu'il revienne ici. Donc nous allons commencer à travailler jour et nuit pour que nous puissions terminer le travail aujourd'hui. Donc nous avons dû comprimer, n'est-ce pas, la durée, les ramener du mois de mai jusqu'au mois de novembre. C'est quand même 6 mois qu'on vient de gagner et c'est une grande performance. Les bâtisseurs qui ont coupé les rubans symboliques, officialisant ainsi la circulation sur cette route Zolana qu'il a lui-même parcouru, a suscité une joie incommensurable auprès des usagers et des riverains qui scandent des chants des liesses pour témoigner leur reconnaissance et leur satisfaction. Merci, merci, Mingina. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, on a dit là au salaire du son papa, tout ce que maman et à Bumba. Tous ces pays n'ont pas d'amour, le biso, ou les bandits n'ont pas d'avertis. Si, et qu'il y a une bouteille à pompage, il faut que je me pour ma vacance, pour ma pompage, il faut que je me à l'hyper et bambouteillage. Mais à aussi, le biso, pour ma lame, tout le monde pour le moins vertis, et puis transport, et comme il faut que je me directement à la pompage. La richesse qui regorge la RD Congo peut être accessible à tous. Seules les voies de communication routière sont une issue par excellence pour la mobilité des biens et des personnes et in fine le développement du pays. On poursuit ce journal en justice. Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Gobler seront devant le juge en 2024. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt avant dire droit. Explication Edith Chalakatala. Ce sera le 18 mars 2024 que Matata Ponyo, Augustin, Gobler, Deogracias Mutombo, Mwananyimbo reviendront à la barre. La Cour constitutionnelle, siégeant comme juge pénal, a à l'audience de lundi 13 novembre rendu un arrêt avant dire droit
sur la demande de surséance de la cause et la mise hors cause du prévenu Gobler. Par la bouche du président de Seyan, président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamolita, a déclaré la demande recevable mais non fondée. Les prochaines audiences sur cette affaire sont renvoyées au premier trimestre 2024. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, a vendu le droit contradictoirement légal des prévenus Mutombo Nyimbo de Gracias et Globlet Christos Stephanus et par défaut à l'égard du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, le ministère public entendu, dit recevable et non fondé la demande de surséance de l'examen de la présente cause et de la mise hors cause sollicitée par les prévenus Globlet Christos Stephanus. Déclare recevable mais non fondé les exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité soulevées par le prévenu Mutombo Mwananyimbo, Deogracias et Globlet Christos Stephanus. Renvoie la cause en prosecution à l'audience publique du 18 mars 2024. Les contentieux électoraux qui ont d'ores et déjà commencé n'offrent pas de temps matériel à la Cour constitutionnelle pour poursuivre l'instruction de l'affaire Bukangalonzo pendant cette période. Plus de 7000 recrues de l'armée prêtes à défendre le territoire national ont fini la formation à Likasi au centre d'instruction Moura. Le général Christian Chiwewe, après les démonstrations, leur a demandé de résister face à l'ennemi. Est-ce que vous êtes prêts à la génération? Vous êtes prêts à la génération? Très bien. Le général d'armée Tuo Songesa Christian, chef d'état-major général de l'UFAPDC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Moura Likasi et dans la province du Haut-Katanga. Cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires recrutés suite à l'appel à la mobilisation générale et du président de la République et commandant suprême de l'UFAPDC, Félix-Antoine Tshisekedi. À cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Action. Debout, progressez. Après les briefings des colonels Ikomo Bienvenu et Zanza Desema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura, le général Tioé s'est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie morale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nazalaki, Nagoma, Mokonzi Amboka, Lobi Nangai, général, après Kula, aucun de peu Moura. Parce que Nayoki Keba, Outiko Siri sa formation d'abord. Yango, Naoutiko assisté. Ma manœuvre n'a pas été parce que le kiki top, mon conzi a perçu le nom son bote. Discipline, oh, vous avez la kisa awa, et ce qui a awa, même ici, quand vous avez la kisa yango, n'a pas de connaissance de protéger Bango, mais devant mon gouna, et c'est que nous on y a libre. Est-ce que tu es au cas? Pour trahir un mot qui a pas de la yoté. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire la front? Il faut être déterminé pour la école et s'engager même à la couche. Cette année, le chef d'état-major général visite Moura pour la quatrième fois. Élargissement de la coopération entre Séoul et Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec le président de l'agence COICA, agence sud-coréenne. Énergie durable, renforcement des services sociaux de base sont là quelques domaines concernés. Janine Kalinga, Julien Piana. Renforcement de la coopération économique bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. Aussitôt rentré à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec la délégation de la Corée du Sud conduite par M. Chang Hong-sam, président de l'Agence coréenne de coopération internationale et envoyé spécial du président de la Corée du Sud. Des propositions de projets, de l'élargissement de l'assistance et soutien
à la République démocratique du Congo par la Corée du Sud dans d'autres domaines, notamment d'énergie durable et le renforcement des capacités de l'administration centrale ont été remises au chef du gouvernement congolais séance tenante. Le président Chang-On Sam a rappelé l'urgence de projets à réaliser en République démocratique du Congo. Nous avons discuté sur les moyens de renforcement de la coopération économique bilatérale et surtout dans le domaine du pont. Donc les projets du pont lesquels l'Agence coréenne de coopération internationale se charge. Sur le fait que la présence de la COICA n'était pas sensible, je ne pourrais pas être d'accord à ce point-là. La République de Corée a fait de son mieux jusqu'à présent pour assister au mieux la RDC et jusqu'à présent, comme chiffre, nous avons effectué une assistance financière d'une envergure totale de 120 millions de dollars. Et notre agence, surtout l'agence COICA, est encore prête à élargir davantage nos domaines de coopération. Un symbole de notre coopération serait le musée national qui se situe au cœur de la ville de Kinshasa. En effet, nous avons émis un papier sur lequel nous expliquons des propositions, mais nous comptons pouvoir coopérer davantage avec la partie congolaise, surtout dans le domaine de l'énergie durable pour augmenter son efficacité, ainsi que le renforcement des capacités administratives et bien évidemment le renforcement des services sociaux de base. Téné, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge revient de Lubumbashi où il a déployé certaines activités en sa qualité de membre du Présidium de l'Union Sacrée et chef de la zone électorale Grand Katanga. Forum économique RDC Angola, les travaux se sont tenus à Luanda. On fait le point dans ce reportage signé Annie Mbalaka. Les décideurs et opérateurs économiques de l'Angola et la RDC se sont réunis pendant deux jours dans la capitale angolaise. Le thème choisi est « Partenariat économique pour une croissance partagée ». Les deux parties sont tombées d'accord sur plusieurs recommandations dans le cadre du renforcement de la coopération économique mutuellement bénéfique pour le développement des différents secteurs au profit de leur population. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr. Vital Kamerhe, qui a signé le communiqué final au nom du gouvernement congolais. La partie angolaise a été représentée par le ministre angolais en charge de l'économie et de la planification, Mario Augusto Caetano João. L'Angola et la RDC se sont accordés sur la nécessité d'améliorer la compétitivité des industries locales. Les deux pays vont prendre des mesures nécessaires pour protéger les industries locales et émergentes. Ils vont aussi partager des informations en temps réel sur les saisies et les risques douaniers identifiés à travers le point focal respectif à indiquer pour lutter contre la circulation illicite des marchandises et des personnes. Et nous avons noté effectivement qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre dans les échanges commerciaux. Si l'Angola a pris de l'avance avec les infrastructures déjà construites qui facilitent l'écoulement des marchandises vers la République démocratique du Congo, avec l'industrialisation dans le cadre de l'agro-industrie, la République démocratique de son côté, avec le président Félix Tshisekedi, il a fallu le temps d'abord pour mettre un système de production en place, jeter les bases d'une fondation. Avec la vitesse grand V, nous allons rattraper les retards là où ils s'imposent. Bien avant la lecture du communiqué final, les gouverneurs des provinces frontalières Angola-RDC ont présenté des problèmes au niveau de leurs entités et proposé des pistes de solutions. Ce panel a été organisé à la demande particulière du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr. Vital Kamerhe. Parmi les membres du gouvernement de la RDC présents aux assises de Luanda, il y a le ministre Jean-Lucien Boussa du commerce extérieur, Marc Ekila des transports, Adrien Bokele de pêche et élevage, Didier Boudimbou des hydrocarbures, les vice-ministres de l'intérieur et Julien Palou pourraient présenter. À la une ce soir, les transporteurs des camions poids lourds exigent l'amélioration du traitement, la suppression des barrières sur le trajet et la sécurisation des convois. Ils l'ont dit lors des discussions avec le gouvernement, l'employeur et leurs syndicats. Travaux clôturés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Reportage de Willy Atunakov.
C'est après 4 jours de travaux marathon ouverts au nom de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoir Social par le secrétaire général à l'Emploi et au Travail, samedi 11 novembre 2023 au centre Caritas Congo à Kinshasa, sur instruction du chef de l'État, que le membre de la commission tripartite, banque gouvernement, représenté par les délégués de la présidence de la République, de la primature, des vice-primatures, de l'intérieur et de l'économie nationale, et des ministères de l'emploi et des transports, banque employeur, représenté par la FEC, la COPEMECO et la FENAPEC, et le banc travailleur, représenté par quelques organisations syndicales, se sont finalement mis d'accord par la signature d'un procès verbal sur les pistes de solutions durables aux revendications socio-professionnelles des transporteurs routiers par camion poids lourd à travers la RDC. La cérémonie de clôture de ces assises a été présidée en présence de la ministre Claudine Doucy Moitembe, de l'Emploi, Travail et Prévoir Social, et Marc Ekila Likombo, des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, lundi 14 novembre 2023, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazali Kankonde. Ma joie est immense du fait que vous vous êtes accordé. Vous avez trouvé un compromis. Vous avez pris des engagements. Ce qui reste, c'est de mettre en application ces engagements que vous avez mutuellement pris. Nous pouvons vous garantir que pour la part du gouvernement, nous allons nous efforcer pour tout mettre en application. Signalons que les résolutions de ces assises des Caritas Congo seront présentées auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les tout prochains jours. L'agence COICA marque son accord pour accompagner le plan national stratégique de développement de la RDC. L'envoyé spécial du président sud-coréen, président de cette agence de coopération, a été reçu par la ministre d'État, ministre du Plan. Aussi, la mission économique conduite par Judith Soumino à Toulouka porte des fruits. Des investissements directs dans l'agriculture sont annoncés en 2024. Pompon Umbalandou, Joe Patrick Koukou. La mission économique conduite par la ministre d'État, ministre du Plan, dans 3 villes brésiliennes en octobre dernier, a eu du répondant. Au cours de cette séance de travail à Kinshasa, son ambassadeur Roberto Parente a fait des annonces. C'est une visite de courtoisie pour parler de la mission, les résultats de la mission, mais c'est surtout les premiers pas entre nous pour une relation que je suis sûr... L'année prochaine sera très intéressant pour notre pays. Associé à cette rencontre, le directeur général de l'ANAPI, Antonin Kinzo, qui a préparé ce voyage, a également salué les accords conclus, favorisés par le climat des affaires congolais. Je pense que les échanges ont été très fructueux et il y a eu beaucoup d'annonces qu'il a fait. Nous avons retenu qu'il y avait 2 accords qui ont été signés. Une école privée d'ici qui a signé avec une fédération des agriculteurs pour permettre à ce qu'il puisse y avoir le goût de l'agriculture dans le chef des enfants. Le 2e accord qui a été signé, c'est avec l'agence des zones économiques spéciales qui a signé avec Codeco au niveau de la province de Goiás pour les différents échanges d'expérience. Et donc c'est une mission fructueuse et nous pensons qu'à partir de là, beaucoup de choses vont se bâtir. Avec l'envoyé spécial du président de la Corée du Sud, la patronne du plan a sollicité l'accompagnement de la COICA au PNSD en révisitation, ainsi que pour le PRONASEC et le PEDEL 145 territoires. Nous avons mené une discussion profonde et riche, surtout dans le domaine de coopération. Nous espérons vivement coopérer avec la RDC, surtout dans le domaine de l'accessibilité énergétique, le renforcement des capacités administratives et aussi les services sociaux de base. Le président de la COICA séjourne à Kinshasa dans le cadre du renforcement de relations diplomatiques entre Kinshasa et Séoul, vieille de 60 ans. Les agents et cadres de la cellule de gestion de passation des marchés publics sont à l'école. Ils renforcent leur capacité sur les procédures nationales justement de passation des marchés publics. Cette formation est organisée par l'ARMP. Reportage de Rikin Zouzilo et Amayawel, Yolande Voka, Tony Djuma.
C'est pour combattre la corruption, le favoritisme et les antivaleurs dans le marché public que l'autorité de régulation de marché public, ARMP, a initié cette formation approfondie sur les procédures nationales de passation de marché public au profit de cadres et agents de la cellule de gestion de projets et de marché public. C'est pour qu'ils soient en phase avec la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010. Relative à la passation de marchés publics en République démocratique du Congo. La réunion, la 119e réunion du Conseil des ministres, tenue par le président de la République, qui a insisté sur la transparence et la bonne gouvernance qui tiennent compte des procédures de passation de marchés publics. La cheville ouvrière de marché public, c'est la cellule de projet de passation de marchés publics, qu'on appelle la CGPMP, qui se trouve dans toutes les autorités contractantes. Justement, c'est pour le montage des projets de marché public. C'est pour cette raison que nous avons tenu à organiser des sessions de formation approfondies pour que ceux qui sont censés faire ce travail puissent être en mesure de le faire conformément aux procédures des marchés publics. Pendant 10 jours, les participants seront suffisamment outillés sur l'apprentissage des règles et procédures des passations de marché public allant de la préparation de marché jusqu'à leur réception définitive. Miguel Katem poursuit la mission de vérification de l'application de la loi sur la sous-traitance. Il est dans la province du Haut-Katanga. Cette journée de travail, abordée un peu plus tôt, sera longue pour le patron de la sous-traitance en RDC et sa suite, car il va falloir parcourir plus de 300 km de route pour atteindre Longchi dans le territoire de Sakania, plus précisément dans la botte au sud-est du pays. Au passage, l'honorable Cachal Miguel, fils du terroir, se fait surprendre par les populations du coin, venues en masse à sa rencontre. Visiblement, une belle ambiance de retrouvailles avant de les laisser poursuivre sa route. Pendant ce temps, direction Sabwe Mining. À la porte principale, un plaidoyer des sous-traitants lui est adressé. Dans cette salle de réunion, le DG de l'ARSP va inviter le responsable de cette société minière à la franche collaboration avec ses OPJ pour un travail de contrôle de conformité à la loi sur la sous-traitance. Il a par ailleurs martelé sur l'insertion des sous-traitants congolais dans leur base de données sans passer par des formules inadéquates. Motif de satisfaction pour les entrepreneurs. Pour toute la première fois qu'on puisse voir ce que nous sommes en train de voir. Pour nous, nous glorifions vraiment le Seigneur pour le président de la République démocratique du Congo qui a vraiment pensé à ça. Nous remercions notre DG qui est notre avocat aujourd'hui ici à Longchi. Nous nous sommes appropriés cette lutte parce que nous-mêmes, nous sommes d'abord les premiers bénéficiaires, premièrement, et deuxièmement, et cette lutte, sa victoire impactera non pas notre génération, mais toutes les générations futures. Pour les DG Miguel, celle-ci est donc l'unique voie pour faire valoir l'entrepreneuriat au pays, selon la vision du président de la République. Le président de la République veut écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. Le combat a changé. Maintenant, c'est le combat, c'est la lutte pour l'indépendance économique. Tout compte fait, l'accès au marché de la sous-traitance est un pari gagné pour la main-d'œuvre congolaise. La RDC, plus de 20 ans de guerre, les femmes sont torturées et les jeunes filles sont violées. Mireille Massangou, ministre du genre de la RDC, a dénoncé cette violation des droits humains. Elle a pris la parole à la rencontre des ministres du genre et des affaires féminines de l'Union africaine organisée à Addis Abeba. Yvette Makuntima. À la tête d'une forte délégation composée notamment des experts de son cabinet et du secrétariat général au genre, la ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangou Bibi-Muloko a pris part à la 8e session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et autonomisation de femmes à Addis Abeba en Éthiopie. Ces travaux ouverts et clôturés par Amongi Betty Ongom, présidente et ministre du genre, du travail et développement social de l'Ouganda, ont réuni les ministres de l'Union africaine en charge du genre et affaires féminines et ont consisté à l'examen et adoption des rapports des experts 2022 relatifs à la déclaration solennelle sur l'égalité entre hommes et femmes en Afrique, SDGA.
Pour capitaliser cette présence des ministres du genre de l'Union africaine, Mireille Massaoui-Bimoloko a porté plus haut la voix de la RDC, surtout en ce qui concerne les violences basées sur le genre dans l'est du pays, en proie à une guerre d'agression. Ce qui se passe dans notre pays, à l'est de la République, est déplorable. 22 ans de guerre, les femmes sont torturées, les enfants n'en parlent pas. Nous voyons qu'il y a des nombres de violences faites aux femmes et aux filles sont exagérées. C'est mon plaidoyer du haut de cette tribune pour que le bon Dieu nous écoute. Dans un autre registre, l'envoyé pour la jeunesse de l'Union africaine est revenu sur l'accès à la connectivité qui est un facteur limitant la participation de femmes et de jeunes filles. Il n'y a pas encore de date pour l'organisation des obsèques de Zachary Badiengela, dit Nemwanda Nsemi. L'UDPS, le parti présidentiel, exprime ses condoléances justement aux membres de ce parti, de ce mouvement politico-religieux Bundu. Dit à Congo, le secrétaire général de l'UDPS est allé reconforter la famille biologique de l'illustre disparu. Accompagné des directeurs du cabinet adjoint du chef de l'État, André Wameso, et quelques cadres de Congo de son parti, le secrétaire général de l'UDPS s'est rendu à la résidence de Zachary Badiengela alias Nemwanda Nsemi pour réconforter sa famille. Sur place au Guisin, Kabuya a été accueilli par la fille de l'illustre disparu, les responsables de son mouvement Bundu Dia Congo et son parti politique Bundu Dia Mayala. L'envoyé politique du chef de l'État a apporté un message de réconfort aux orphelins, à la veuve et à la grande communauté politico-religieuse Bundu Dia Congo et Bundu Dia Mayala. Après, le secrétaire général de l'IDPS a voulu s'imprégner de l'organisation des obsèques de ces grands hommes politiques, alliés de l'IDPS et membres de l'Union sacrée de la nation auprès de sa famille et des responsables de son mouvement. À l'unanimité, tous ont informé les membres de l'IDPS de l'organisation qui sera mise en place pour rendre les hommages mérités à ce gourou de Bundu Dia Congo qui sera enterré dans son village natal à Louise dans le Congo central après 40 jours selon sa volonté. Mort le 18 octobre dernier au centre Kinigada, Zachary Badiengela alias Nemwanda Nsemi manifestait son soutien sans faille au président de la République, qui considérait comme son neveu. Pour rappel, le chef de file de l'IDPS n'est pas sa première visite chez les gourous de BDK. Au mois de février de cette année, Augustin Kabuya et son équipe étaient partis au chevet de Tata Longhi quand il était encore malade. Politique, l'équipe de campagne du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se prépare aux élections de décembre prochain. Le duo Chabani-Bandoubola a rencontré plusieurs structures, notamment les notables du Sud Kivu, les chroniqueurs, mais aussi les musiciens. Reportage de Guy Beskitik. Les consultations avec les organisations et structures de la société congolaise se sont poursuivies ce lundi 13 novembre 2023 avec la coordination de la campagne du chef de l'État dirigée par le binôme Maître Jacquemain Chabani et Mme Akasia Bandoubola Mbongo. La première a été reçue, la délégation du Sud Kivu conduite par le président de la communauté Bashi et facilitateur de la table ronde sur la paix et le développement du Sud Kivu, Joseph Kinzo, qui du reste appuie les efforts du chef de l'État pour la stabilité et la pacification du Sud Kivu. La preuve du soutien sera donnée aux élections. La population du Sud Kivu soutient cette main tendue du chef de l'État pour pouvoir stabiliser notre région, mais aussi pouvoir la pacifier afin de contribuer au développement de la nation d'ici l'horizon 2030. Puis les notables de la province du Maïndombé qui sont disposés à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, l'association des femmes solidaires conduite par Mme Lina Pembe Bologna, qui s'est dit prête à apporter sa pierre à la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses œuvres notamment la gratuité de l'enseignement et de la maternité. Avec le chef de l'État, il a quand même répondu à plusieurs aspects qui nous ont touchés en tant que femmes. Nous sommes là pour l'aider à continuer son œuvre. Il a commencé quelque chose, il faut bien qu'il le termine. Les artistes de théâtre ont été également consultés pour cette fin. Nous avons notre art. C'est à travers l'art que nous allons accompagner le candidat Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il a prouvé à tous les Congolais en face du monde qu'il est l'homme qu'il nous faut pour le développement et la stabilité de la RDC. Et pour terminer la série, les chroniqueurs de musique, eux aussi, ont pris une part active à ces assises qui constituent un moment d'adhésion de toutes les couches de la population.
Santé, plus de 24 millions d'adultes en Afrique sont frappés par le diabète. Des chiffres publiés aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Jean-Pierre Ndolodé Mazou, reportage. Une tueuse silencieuse, une maladie sournoise, un fléau mondial, le diabète est aujourd'hui une épidémie dont la prévalence monte en flèche dans le monde et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Bonne nouvelle, la prise en compte de la maladie dont la couverture santé universelle commence à prendre forme dans le pays. Il est important que les gens puissent savoir l'existence de cette maladie, qu'ils puissent se dépister afin de se faire prendre en charge. C'est très important, voilà pourquoi nous tenons à organiser cette journée, rappeler les différents de parties prenantes qui sont dans la salle, comment nous allons travailler cette année hein, en prenant en compte le thème qui est connaître ses risques pour éviter les complications. Mais ce qui est plus important encore, c'est la connaissance de la maladie par le public pour mieux la prévenir. Que chaque personne doit pouvoir se dépister, doit savoir quel est son taux de glycémie, est-ce que ce taux est vacillant ou pas, pour savoir s'il est diabétique ou pas. À partir du moment où il le sait, il peut maintenant voir comment il peut se prendre en charge. Mais surtout, la prévention qui doit être de mise pour toute personne, peu importe quelle qu'elle soit, même si elle ne se connaît pas diabétique, doit prendre des préventions pour éviter tous les facteurs de risque. Ces facteurs de risque, c'est le stress, c'est une mauvaise alimentation, trop sucrée, trop gras, c'est une prise de poids incontrôlée. Les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, voilà autant de complications du diabète qui pourraient s'éviter par un mode de vie sain et responsable. Culture, Maman Angebi, ce nom d'une célébrité qui a longtemps travaillé ici à la RTNC d'ailleurs. L'un de nos studios a été baptisé sous son nom. Cette femme a été honorée par la fondation de la première dame Denise Nyakoro Tshisekedi pour le travail qu'il a fait. Alors son diplôme lui a été remis par le représentant de sa famille. Ce diplôme a été remis par le directeur général de la RTNC, Sylvie Elingue. Il y a 5 mois, la distinguée première dame, Denise Nyakoro Tshisekedi, avait remis à titre posthume des diplômes de mérite au duo Angebi Kanzara. Absente lors de cette cérémonie, le diplôme de Marie-Josée Angebi a été remis au DG de la RTNC, Sylvie Elenge Nyembo, qui vient de le remettre ce jour aux représentants de la famille de Maman Angebi. Madame la directrice m'a reçu pour me remettre les diplômes de ma tante, Maman Angebi, qui a œuvré ici à la RTNC. Au nom de la famille de Maman Angebi, que je représente ici, nous présentons nos remerciements à la première dame d'avoir pensé à nous. Bon, notre requête est que là où on a enterré maman, ce n'est plus commode. Si la fondation, donc à travers la fondation, peut émettre notre vœu à la première dame de exhumer maman de là où elle est, qu'on l'emporte soit à Benseke ou à Nécropole. Pour rappel, c'est dans le cadre de son projet Congo au féminin que la distinguée première dame, Denise Nyakoro Tshisekedi, a saisi cette occasion pour saluer la mémoire de ces deux femmes, le duo Angebi Kantaku, pionnières dans le monde de la chronique musicale, qui ont changé le regard du monde sur les femmes qui évoluent dans l'audiovisuel. Merci Mamie, il est là, IFA, pour ce reportage. Kinshasa a abrité les travaux des experts de la première table ronde des ministres africains de l'enseignement, formation technique et professionnelle. Ces travaux ont permis de jeter les bases d'une nouvelle approche dans la formation et d'une main-d'œuvre de qualité. On fait le point avec Cédric Eninambo. 17 recommandations réparties en 3 catégories politiques, stratégiques et techniques sont sorties des travaux des experts en prélude de la première table ronde des ministres africains de l'enseignement et formation technique et professionnelle organisée par le gouvernement de la République à travers les ministères de la formation professionnelle et métiers. Les premiers et les deuxièmes jours étaient exclusivement consacrés au partage d'expériences et à des exposés sur les thématiques diverses qui ont conduit à des débats de haute facture sur des concepts d'actualité intéressants au plus haut point
les secteurs de l'enseignement et formation technique et professionnelle. Il s'agit notamment des cadres de certification, de la transformation digitale, de l'intelligence artificielle, de l'économie verte avec tous ses corollaires. Le secrétaire général à la formation professionnelle et métiers a, au nom de la patronne de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu-Kabenga, qui du reste a clôturé ses assises, s'est tout d'abord rassurée de la convergence des vues des participants dans l'élaboration de ses recommandations. Avec ses 100 millions d'habitants et ses 60% de jeunes, la RDC a pris des engagements fermes en faveur de l'éducation en vue d'en faire un levier essentiel de son développement. C'est dans ces mêmes contextes qu'il faut placer également son engagement pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Les partis politiques membres de l'Union sacrée au Katanga réitèrent leur soutien au gouverneur Jacques Yabula Katwe. Ce dernier est sujet des attaques de tout ordre dans les réseaux sociaux. Excellences, Monsieur le Gouverneur, il est profondément décevant d'observer des adversaires politiques s'engager dans une campagne de désinformation malveillante et des intox sans fondement dans le seul but de ternir son image et de semer le doute et division parmi la population. Laissons-nous rappeler à tous compatriotes au Katangaises et au Katangé, et à tous les habitants du Haut-Katanga, que notre gouverneur a toujours placé les intérêts du peuple congolais au-dessus de toute autre préoccupation, à l'instar de notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous son leadership, nous avons vu des progrès significatifs et inégalés dans notre province. La vérité de sa dévotion à notre cause commune brille plus brillamment que tout mensonge qui pourrait être concocté. Il est bien visible que les détracteurs de notre président du Conseil provincial de l'Union sacrée de la Nation jouent le jeu de nos adversaires. Ceux qui rêvent l'échec de notre ticket gagnant aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. Ils intoxiquent en vain sur les réseaux sociaux en cherchant clairement à nous diviser et croyant gagner l'un ou l'autre d'entre nous. Coup d'épée dans l'eau. Les sénateurs du Congo central saluent le programme de développement local de 145 territoires initié par le président de la République. Le sénateur Roger Mwakamwaka a sensibilisé la population de Tchela et les a appelés à soutenir les actions du président de la République. Reportage de Yolande Vauquin. Roger Mwakamwaka, sénateur de la République, notable du Congo central, vient d'effectuer un séjour de plus d'une semaine dans les territoires de Tchela, province du Congo central, où il est allé pour sensibiliser la population de ce coin du pays sur l'importance des élections. Accueilli par un comité restreint de la sécurité territoriale, de quelques cadres de son parti politique, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, MCSD, dont le président fédéral du Congo central, Douce Mapangala Mabiala. Une foule immense l'attendait pour écouter un message de paix afin de s'approprier du processus électoral en cours. La population accueille avec un grand enthousiasme les élections qui sont en train d'arriver. Un regain d'espoir est en train de renaître auprès de cette population lorsqu'il voit les programmes des 145 territoires qu'a initié le gouvernement. La population est satisfaite de savoir que les élections vont avoir lieu parce que c'est pour elle le seul moyen de pouvoir corriger, sanctionner, encourager, n'est-ce pas, ceux qui doivent ou qui doivent servir très prochainement la nation. Dans le 5 de 8 secteurs visités, à savoir le secteur de Mbanga, Nganda Tchoudi, Lubuzi, Luango et Bulanaku, Roger Mwaku, qui est en même temps président national du MCSD et vice-président de Regroupement politique Alliance pour les valeurs AV, membre de l'Union sacrée de la Nation,
croit dur comme fer que la population de Tchiela fera les bons choix pour élire des vrais patriotes. Et puis cette annonce du Conseil supérieur de la magistrature qui porte à la connaissance des candidats magistrats concernés par la décision du 2 novembre 2022 portant désignation de 2500 candidats magistrats a proposé à la nomination en 2024 que le contrôle physique se déroule selon les modalités pratiques suivantes, date, lieu et heure. Le contrôle physique se tiendra à Kinshasa du mercredi 22 novembre au mercredi 6 décembre 2023 de 9h à 17h à l'extension du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature situé au service de documentation et d'études du ministère de la Justice sur l'avenue Mbujimaï numéro 3. Référence l'avenue en face de l'immeuble CNSS à Kinshasa, Gombe. Identification physique, 250 magistrats au moins seront concernés par jour, suivant l'ordre d'arrivée après remise des jetons. Les candidats des provinces sont également attendus en déant le délai susindiqué. Et puis, ces notes importantes, la présence physique de candidats est obligatoire. La procuration n'est pas admise. C'est signé par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, conseiller à la Cour de cassation. Je l'ai dit en ouverture de cette édition d'information que le chef de l'État s'est adressé aujourd'hui devant le Congrès. Patrick Michel Mukoye nous propose ce reportage. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Un dernier paragraphe presque inaudible sous les salves d'applaudissements de l'assistance qui s'est identifié au contenu satisfaisant du grand oral tant attendu. Quelques 2h30 plus tôt, le président de la République rejoignait sous une fine pluie le palais du peuple où l'attendaient sénateurs et députés réunis en congrès pour accomplir son devoir constitutionnel et républicain, le dernier de son premier quinquennat. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi entame son discours par une reconnaissance aux parlementaires pour notamment leur détermination à accompagner le processus électoral par des lois et mesures. En 5 ans, des bases solides ont été posées dans le domaine de la sécurité, ce malgré la guerre injustement imposée au pays par le Rwanda. L'hommage aux victimes a duré un instant. Aux côtés de la loi portant programmation militaire, la création annoncée d'une trentaine de postes d'attachés militaires dans les représentations diplomatiques vient activer une diplomatie militaire aux grands enjeux. Rien ne peut désormais être décidé sur le Congo sans le Congo. Cet engagement diplomatique a permis au pays de marquer son retour sur la scène internationale en s'imposant comme pays solution au changement climatique. Évoquant les avancées en termes de droits de l'homme, le président Félix-Antoine Tshisekedi a noté l'opérationnalisation du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles FONAREV, fruit d'un engagement sans précédent de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Des ajustements dans l'appareil judiciaire, aux avancées enregistrées dans la liberté de la presse, le garant de la nation a aussi souligné la mise en place d'un plan d'industrialisation et d'un plan spécial de transformation dans différents secteurs pour améliorer au mieux l'environnement des affaires. Les bruits des engins dans le pays ont produit plus de 30 000 km de routes urbaines et d'intérêts agricoles réhabilités et construites. La récupération de 5 millions d'élèves autrefois exclus du système faute de moyens et la construction de milliers d'écoles font de la gratuité de l'enseignement de base un grand succès aux côtés de la couverture santé universelle. Entre création de chaînes de valeur de la production minière et inauguration de plusieurs barrages, le discours du président de la République est interrompu à plusieurs reprises par des applaudissements nourris. Une manière pour l'assistance de saluer les avancées, entre autres celles économiques, avec l'augmentation du taux de croissance qui est estimé à 1,7% en 2020 et passé à 6,2% au milieu de l'année en cours. Il a fallu plus de 2 heures au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour étaler ses réalisations en 5 ans.
Il en faudra bien plus à celui qui sera intéressé pour les palper à travers la République. C'est donc le dernier acte d'une première série, au mieux d'un premier quinquennat qui aura tenu toutes ses promesses. Faut-il poursuivre sur cette lancée? S'est interrogé le président de la République. L'assistance à la plénière a manifesté sa volonté de poursuivre. Le peuple souverain, lui, sait désormais ce qu'il lui reste à faire. Voilà, nous on ne poursuit pas. Ce journal est terminé, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h Anita Luambo pour un nouveau journal. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée.